Salut les loulous, c'est Stalexia et Soma sur Subsistance. Bonjour les loulous. Donc on se retrouve pour le 27e épisode les loups, et donc ce sera bien le dernier hein, après réflexion et validation de ma part. Parce que j'ai pas vraiment demandé l'avis à Stalexia en fait. J'y pense. Et du coup les loulous, on va essayer de faire encore un ou deux crafts pour vous montrer le plus de choses possibles sur le jeu. Hein. Et après on ira se faire plaisir, on va aller faire de l'attaque de base de Hunter. Donc là, grosso modo, comment ça va se passer? On laisse terminer cette journée, on passe la nuit, on essaiera de faire les crafts d'ici la journée prochaine, et puis dès le lever du jour, on ira attaquer. Et puis bon, on verra comment ça se passe. Donc on s'est équipé, j'ai crafté le revolver pour Stalexia, elle a pris. Donc elle a ses deux pistolets avec toutes les balles. Pour ma part, j'ai les balles du fusil et j'ai 5 balles de pompe. Voilà, ça devrait suffire. Et on prendra aussi chacun une grenade. D'ailleurs, je vais la prendre de suite. Hein. Voilà, vu qu'on a des grenades. On va mettre ça genre là. Mon arc, je le reprends au cas où. Ah, on a le lapin qui doit être fin de cuir. Voilà. Et là, en fait, on attend surtout. Hein, c'est ça aussi le gros souci du jeu. C'est qu'on attend que notre électricité remonte. Ce qui est chiant. Donc la masse est à fond. Voilà, on a fait ça hors caméra. Mais l'électricité, on dépense 0,2, donc c'est le frigo. Et on produit 1,05. Donc je suis même pas sûr que le panneau solaire et l'éolienne fassent grand chose. L'éolienne, à mon avis, vu qu'il fait beau, elle tourne pas. Hein. Ouais, non, mais voilà, tu l'as posé, voilà. Maintenant il fait beau. Et voilà. Donc, voilà ce que nous a fait Stalexia pendant que j'étais pas là. C'est vrai que je voulais pas montrer. C'est les toits d'angle, un peu arrondis. Ouais, mais il y en a un qui est moche. Voilà. J'ai pas pu. C'est pas grave. Celui-là à la fenêtre. Ouais, c'est parce que s'il y a une fenêtre, mais sinon l'idée est sympa. Moi j'aime bien. L'idée est sympa. J'aime bien. Ah si. Voilà, donc éolienne qui ne sert à rien. Bah, elle tourne, hein, regardez, elle se déplace, hein, mais bon, elle est asthmatique quoi. Ouais. Malgré que Alain dit que mon balcon était pas beau. Mais il a pas de goût, Alain. Tout le monde le sait. C'est connu, c'est un fait avoué. Alors là, hop, une petite plantoune. Oh, oups. Et oups. Voilà. J'ai tué les loups. Donc, ah oui, alors caméra, on a tué deux loups. Les deux loups qu'il y avait là. Et puis, une poule. Ah, je l'ai déjà ramassé lui. C'est là que je me dis. Une poule et un lapin. Voilà. Enfin, la poule, vous l'avez vu. Je viens de le faire. Ou pas, je sais plus. Je sais pas si c'était en vidéo en fait. Ah, voilà ce qu'on a fait hors caméra, non. Grosso modo. On n'est pas sorti farmer, on est resté à la base. C'est hors caméra. Et voilà, on attend en fait. Hein. Le jour se couche là. Le jour se couche, hein. Oh. J'en avais pas vu une autre de. Là, Soma derrière toi. Hein viens vers moi. T'es où? T'as ton arc? Là, droit devant toi. Avant tout sourd. Là, j'ai saisi la grenade. Pour le lapin, ça va être un peu violent. Mais je lui ai fait peur, je l'avais pas vu. Voilà. Il était entre nous deux en fait. Bah oui, c'est ce que je te disais. T'as pas à comprendre moi? Non, toi, pas comprendre moi, toi. Ouais. Moi, parler petit chinois pour toi? Ouais, puis là, il va faire de plus en plus noir. Même si on tombe. Ah, en même temps, on n'a pas besoin de tuer encore 50 000 trucs pour le dernier épisode. Hein. Ah, il est là. J'ai faim. Mais il y a de la viande, non? C'est surtout des légumes qui. Je vois pas son corps. Je vois la barre de vie, mais je vois pas le corps de du lapin. Donc c'est mort. Bon, on va rentrer. Sinon, on va se peler les miches. On va aller surveiller notre électricité. Hein. Donc on va vous faire le... Je parlais de la foreuse dans le dernier épisode. Finalement, on va faire le four. Et le lockpit. Bah, de toute façon, le lockpit, vous l'avez déjà vu. Et puis, on n'en a pas l'utilité. Il n'y a pas de coffre qui en spawn autour de chez nous, des plats. Donc, on est à 720. Et pour la gazinière... Moi, je dis gazinière, mais c'est un four. Il faut 1000. Donc, on en a encore pour un petit moment.
Par contre, est-ce qu'on a les 6 lingots de métal? Ah, c'est pas dit ça en fait. Oh, pile 6, ah, bah, on a du bol. Sinon, on les aurait lutés chez les hunters si on n'était pas mort. Ouais, au pire, ouais. Ça fait quoi si je lance la grenade? Bah, tu casses tout. Sauvage. Et on meurt tous les deux. Non, tu meurs toute seule, moi je vais fuir. Non, non, je te le dirai pas. Mais bravo. Regardez pour les casser les maisons des hunters. Ouais. Alors, c'est fini. Il faut aussi 30 trucs comme ça et 20 comme ça. Ouais, c'est gourmand en compo, hein, la vache. Non, c'est un four. Une vache. Elle est rigolote, la dame, je dis rien, mais bon. Quoi? J'étais là. Ouais, je sais. Alors, est-ce que j'ai les quantités suffisantes? Parfait, 26 et 30. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ce machin se mette en... Alors, par contre, ton ombre au plafond, ça fait peur. Hein. Ah ouais? Oh là là. Bah, regarde la mienne, ça doit être dans le même genre. Hein. Tu vois pas la mienne? Non, j'ai rien, moi. Attends. Allume, allume-toi. Attends. Attends. J'ai plus mon stick en raccourci du coup. C'est ridicule en fait. J'ai pas d'ombre moi. Au-dessus, au plafond, y a rien? Non. Vas-y, ressors la tienne de. Bah, tu verras dans la vidéo, c'est ridicule. Ouais, dis, je suis ridicule quoi. Non, mais je sais pas, on dirait. On dirait une poule en fait. Franchement, tu verrais ta tête, tu fais peur. Hein. Je vais jamais, prendre un script, je te le montrerai après l'épisode. Tu vas le signer. C'est vraiment bizarre. T'es méchant. Mais non. D'abord, ferme la porte, ça fait des courants d'air. Bon, on a 830, il faut 1000. On va y arriver. Hein. Oh, la maison là-bas. T'es sûr que tu veux qu'on aille l'attaquer? Ouais, on va attaquer les gros en premier. Ouais. Et ils vont être 4, hein. Non, 3. Mais c'est pas grave, déjà normalement si je me plante pas, je peux en tuer un en one shot avec le fusil. Donc ça en fera direct un de moins. Et si je suis vraiment ultra bon, avant que les autres arrivent au 4, je peux en tuer un second. Voilà, on a le droit de rêver, non? C'est pour faire vivre. Ouais, les jauges. Ah, par contre, moi les fruits et légumes, je suis dans le mal. Ouais, bah je suis pareil. J'ai plus rien. Je suis orange. On va manger une viande. On mange le poulet. Par contre, va peut-être falloir qu'en tout début de matinée, on aille chercher des plantes. Alors, on n'a plus rien là. Ouais. Non. Y a pas les poules qui ont pondu des œufs par hasard? Ça rapporte quasi rien. Voilà. Et comme quoi, ça sert strictement à rien ces poulaillers. Ouais. Ouais, puis garde, en deux épisodes, elles ont pas pondu quoi. Mais non, mais j'en ai pris un tout à l'heure, c'est dit que. Ouais, enfin un quoi, enfin merci quoi. Ouais. Un œuf, bon, je veux bien que ça pond qu'une fois par jour, mais. Ok, c'est réaliste, mais. Bah voilà quoi. Ce qui est bien sur Old Huron, la différence, alors je pense que je sais pas qui a pompé qui parce que. Subsistance, je pense pas qu'il y avait le poulailler à la sortie du jeu. Hein. Mais sur Subsistance, une poule level 1 va te donner, admettons, un œuf, une level 2, 2 œufs et une level 3, peut-être 5 œufs. Tu vois, ouais, ouais, je dis des bêtises ça, dans les ouais. quantités, mais. Donc il y a un intérêt à faire du leveling des poules. Là, en fait, c'est juste avoir un œuf, mais il faut qu'elle soit level 3. Quoi. Elle pompe pas tant qu'elle n'est pas level 3. Bon, ok, mais. Ouais. Ok, Jean-Michel, mais. Eh ouais, mais on a compris, tu rêves. 922. Pour les sticks, on en aura pas besoin pour aller se fight. J'ai 6 flèches au cas où. Ouais. On sait jamais. Donc on va réorganiser les barres d'inventaire comme ça. Voilà. Moi j'ai mis le bandage au milieu des deux armes. Moi j'ai mis arme, grenade, bandage. Voilà. Alors moi j'ai mis arme, bandage. Bandage qui servira. Ouais. Alors est-ce qu'on pourrait pas se faire des trucs de soins au cas où? Essaye les trucs de soins, ouais. Il faut deux machins verts. Ça et ça. C'est pas compliqué, il faut juste les machins verts en fait. Je vais pouvoir en faire une. Lui le poisson à chaque fois. Il faut du poisson, ouais. Et encore même pas. Ah non, je vais même pas pouvoir en faire une.
Je peux craft une fiole verte, il en faut deux pour faire un craft de trousse de soins. Du coup, c'est mort. On en parle que j'ai soif. Bois. Non? Ouais, je suis mort de soif avec une goutte d'eau sur moi. Le problème, voilà, c'est voilà, moi je perds de la vie. Non, on n'a pas encore. Allez. Avec un peu de chance, je te dirais, on va peut-être trouver un coffre en y allant. Tu me laisses juste le temps de prendre un peu. Je sais que ça se lève. Allez. 997. 998. 99 000. Voilà. On peut faire le four. Aïe. On est des ouf. Alors le four, on va le mettre. On va le mettre là, à côté du machin. Voilà. Bim. Alors comment ça fonctionne? Alors voilà, c'est ce que je pensais. On peut faire des plats spécifiques. Alors on peut cuisiner, frire, bouillir, cuire. On peut l'améliorer, donc elle s'améliore. Il y a de l'équipement. Ah ouais, donc on place les stuffs spéciaux ici, les loulous. Et après, suivant ce qu'on va peut-être utiliser, il faudra frire, bouillir. Ah non, c'est différentes recettes. Frire, on peut faire de la galette de pommes de terre, foie et oignons, steak et œufs. Bouillir, œufs bouillis, purée, soupe de tomate et ragoût de poulet. Et cuire, on peut faire du lapin à la casserole, la tarte au poisson et du poulet rôti et légumes. D'accord. Ils ne disent pas ce que ça rapporte, les plats. Bah là, non, c'est grisé, donc non, pas du tout. Même en restant dessus, non, ça s'affiche pas. Donc là on voit que ce qu'on a pu équiper ou pas la cuisinière, donc il y a la casserole, la poêle et l'espèce de petit bac de cuisson, là je sais pas comment ça s'appelle ça. Et puis voilà, donc on peut l'améliorer, je vous l'avais montré. Et puis je vais laisser Stalexia regarder. Ouais, accessoirement. Et puis je vais voir vite fait avant qu'on parte s'il n'y aurait pas des plantes qui auraient repop. Parce que là on est tellement dans le mal que... Ah, un poulet rôti avec des légumes. Il fait pas très clair, on voit pas grand chose sous l'eau. Il fait encore un peu trop sombre. Parce que moi j'ai ramassé les plantes qui avaient de l'autre côté, donc si ça a pas respawn ici, on est mal. Bah, il aura plus qu'à espérer trouver des coffres. Alors j'en ai une là. Faut ramasser des fibres aussi, parce que des fois à la place de la fibre, t'as une baie. Ouais, j'en ai rarement eu, moi. J'ai eu une fois ou deux. Ouais, mais c'est plus vers la montagne que je les avais eu, celle-là, moi, par contre. Ouais, vers le biome neige, ouais. Il y a deux loups arrivés. Ouais, mais le loup, on s'en fout un peu. Alors, j'ai trois plantes, j'en ai encore trois à ramasser, donc on en prendra trois chacun, et puis voilà. Il y a un coffre au milieu. On va pas gaspiller, on va étudier une carte. Ouais, on va garder nos munitions. Peut-être y avoir une balle perdue. La dernière. Bon. Allez, je reviens. Enfin, je remonte d'abord et j'en reviens après. J'ai perdu 8 PV par manque de souffle. Je sais pas si je mets le celui qui cogne dur en plus tard en premier ou le deuxième. Ça s'alimente à quoi le four? Électricité. C'est un four électrique. Enfin, je pense, j'ai pas vérifié, mais. Comme il y a les jauges d'énergie, tout ça dessus. Ah non, mais j'ai pas vu la caisse carburant. Tiens, je te jette les plantes. Merci. On remet ça, et puis bah, moi je suis prêt à y aller. Avec le peu de... Avec le on peu. Se remet full vie en viande. Non, moi c'est bon, j'en ai assez. Oh, chaud, ma carte, ça devrait le faire. De toute façon, ça va, après tout. Allez, on est parti. Petite promenade dans les bois. Coucou. Coucou. Elle s'est mourir. Coucou qui chante. Coucou. On peut renverser l'eau. Voilà, une baie, tu vois. Bah voilà, sur les mêmes. Toujours les mêmes.
Ouais, ouais, on va traverser l'eau. Attends, j'ai une fibre là, j'aurais pu me changer aussi, moi. Oh. Puis je vais regarder sous l'eau en traversant, on sait jamais. Oh, une baie! Bah, tu vois. Oh, bah, lui, je suis gentil avec moi. T'as traversé où? Je suis sous l'eau là. Ah, ouais, je te vois. Comme on fait d'habitude. Ah, une plante là. Ça va remonter, il y en a une autre là. Il semble que j'en vois une, ça doit être la même. Là, elle est sous, en dessous de moi là. Ouais, c'est celle-là que j'ai. Tu la prends? Tu te la laisses? J'en vois une autre là. Donc, il faut faire gaffe au Hunter, parce qu'on est plus très loin. C'est clair. Ok. J'ai remonté sur la verge. Je suis j'y vais. M'attends pas. Ah hein. Ben il y a un hunter là devant. Ah c'est pas toi. Ah non, je suis derrière toi en fait. Je suis juste derrière toi. Ok. Vraiment collé à toi. Oh. J'arrive pas à remonter. On va manger les deux trucs. C'est pareil. Ok. Alors comment on va les aborder? J'en sais rien. Ah, déjà là il y a un loup, faut pas aller à droite. Pourtant il y a un coffre, mais bon. Alors, Hunter là. Ah, bah ils nous ont vu. Hein. Ok, j'ai loupé. Dis-le en la folie, moi. Ok. Je te laisse le looter. Il y a autre qui arrive. Hein. Merde! Eh oh, viens ici toi. Et là, je te cause. Ah merde! Pourquoi j'arrive pas à le buter lui? Foiré! Putain! C'est bon. Loup derrière toi! Non mais. J'ai pas vu. C'est pas grave, utilise le respawn, je vais le tuer. Ah bah je suis mort aussi, il m'a tué. Bon, c'est pas grave, on a tué les hunters. On a chacun un respawn. Il y a tout à looter là. Il y a juste le loup à. Il va falloir éloigner. Parce qu'il est passé level 3. Et il va régen full vie. Je me sacrifie ou. Ah, mais je vais remettre combien de temps à venir. Mais je suis là, hein. Vas-y, un coup. C'est pas devant. Hein? Je m'ai passé devant. Merde, je vais looter. Ça va, l'eau m'a pas contaminé, t'as contaminé toi? Non. Ok. Oh non, j'avais bien avarié. Elle est hunter, une balle dans la tête, c'est radical. J'en ai eu deux comme ça, et le troisième, j'ai plus galéré, se cacher dans le buisson là, à côté de toi là. Ouais, ouais, mais je l'ai loupé aussi moi. Le loup a l'air de s'être éloigné un peu. Ah, je suis là. Surtout qu'il y avait trois cadavres aussi de hunter à looter. Bah, c'est surtout ça, ouais. Des fois qu'on pourrait relooter des. Juste récupérer mon stuff en plus parce que. Ah, j'espère qu'on va récupérer tous nos fusils. Mais oui. Je vais coucher, moi. Mais dis pas mon sac est en sur. Hein? Il est où ce que il est juste au-dessus de son sac. C'est ce que je te dis, il est en sur. Non, il est là, il est là, il est là. C'est lui là. Ça, c'est un hunter. Non, c'est celui-là. Bah, non, c'est le mien. Il y a les flingues et tout, la grenade, là. Donc, Ah non, pardon, c'est... je regarde avec mon inventaire. Je dis n'importe quoi. Donc, il y avait ça. Je perds le Discord. Ah bon? Où sont les autres sacs des autres hunters? Il y en a un là. Oh, il y a deux morceaux de viande. Je suis en écrit un. Ok, allez, on se rééquipe correctement. J'ai. Ouais. Oh là, j'ai. J'aime pas le jeu, moi. Tu t'habilles? Ok, pas de balles. Les outils. J'ai taper. Des morceaux. De quoi? Allez, viens. Si on veut en faire un autre, faut pas perdre trop de temps. Attends. J'arrive pas. Ah, il y a des pièges. Mine. Il y a une mine là. Enfin, un truc de C4. Attends, je vais essayer de la faire péter, ouais, à voir avec l'arc si ça marche.
Ouais. Attends, j'arrive pas à me récupérer. Voilà. Ah, ils piègent leur maison. Ouais. Faut regarder où tu marches. Hein. Tu me suis ou pas? Non, attends, je t'ai dit que j'ai un souci, j'ai avec mon inventaire. Oh. J'ai le pistolet à la main. J'ai plus de balles, moi. Si, pourtant, pourquoi il veut pas me les rééquiper? Je prends le deuxième, c'est pas grave. Bon, je suis en train de taper à la porte, moi. Et j'ai plus personne? Bah, je t'ai dit que ce serait que 3. Allez, on y va. Ok, pourquoi j'ai plus de pioche? Ah, j'ai plus de mâche. Ah, attends, recule. Oui. Ça veut dire que... Combien de dégâts? Je sais pas. Bah, ça a enlevé la moitié. Non, mais j'ai plus de pioche, moi, par contre. T'aurais pas... Non, j'ai plus de pioche. Non, j'ai pas de pioche. Non, j'ai un t-shirt qui reste en suspens sur l'écran, c'est génial. Sinon, déconnecte-toi, reconnecte-toi vite fait. Ouais. J'y reviens. Ça va être un peu long. Non, non, mais j'arrive. Je charge. Ça va, c'est pas, c'est parc. Mais voilà. Il reste 100 PV. Hein. On ira voir notre autre voisin, le dernier à s'être installé. Ah, ça va mieux. Enfin, je pense qu'on s'est fait tuer par un loup quand même. Ah ouais. Qu'ils ont debout. Bah, c'est un peu le même principe que la dernière fois. Hein. Le coffre est blindé. Je te laisse regarder avant que je poule. Ah, je vais prendre. Il y a 4 balles pour mon pompe déjà. Il y a des balles pour toi. Je vais sortir. Ouais, attends, vas-y, regarde. Et après, je te remettrai dans le coffre ce qui va te servir à toi. Ah, ils ont ouais. Plein de ils ont plein de métal. L'adhésif aussi. Je te laisse regarder derrière dans le fourneau. Là, là, le fourneau, là, il est là. Ah merde. Et je te mets. Ouais. Alors pour toi, il y a ça. Ça. Et c'est tout. Tiens, je t'ai remis les balles dans le coffre. Alors après, dans leur truc là, il n'y a rien. Ah si, 12 biofuel. Le générateur est éteint. Et je comprends mieux. L'étage. Je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à l'étage. À me réarmer. Quand t'as pas les bonnes balles, tu réarmes pas. Ben oui. Ok, ben on peut passer au suivant. Est-ce qu'on fait cuire ouais. La viande dans le feu là? Alors attention qu'il n'y ait pas des mines ici de ce côté, parce que j'ai pas regardé encore ce côté. Ouais. Ouais, ben, ça je fais cuire les steaks, on attend que les steaks sont cuits et. Ah, ben, ouais, j'ai ouais, une autre ouais. Grenade dans le coffre. Cool, on cool. En a encore deux. Comme ça, on aura un steak chacun à manger, puis y a pas les petits trucs à ramasser ici. Gaffe, on met ses petons. Mais faudra faire gaffe en partant aussi parce que je pense que. Ou alors on y va à la nage. Je pense qu'on irait plus vite à pied, mais. Bah, moi aussi, mais bon. L'autre fois, il y avait un piège au bord de l'eau. Non, mais là, on traverse jusqu'à chez nous et après, on y va à pied. Mmh. On coupe là jusqu'à notre maison et après, on va de l'autre côté. Je te suis. Bon, c'est à moitié cuit. Alors c'est vrai qu'ils sont full ressources, hein. Quand on les attaque, on peut pas dire le contraire.
C'est dommage qu'ils ont pas de légumes, de choses comme ça. Bon, l'avantage d'être mort, c'est que ça va vachement mieux, quoi. Oui, au niveau des jauges, ouais. Sur le Hunter, j'ai ramassé des pièces d'armure, moi. Du cuivre. Ouais. Ouais, ça va être cuit normalement. Dépêche-toi, le steak. Comme ça, je te mange de suite. Je laisserai cet Alexia manger le sien. Voilà. Tu peux. Et on peut y aller. Allez, c'est parti. Rien par terre. Moi, je te suis. Regardez en même temps sous l'eau. Des fois qu'il y aura des petites plantouilles à porter. Mais j'en vois pas. Donc là, à moins que depuis soit, il ait eu du renfort, mais la dernière fois que je l'ai croisé, il était tout seul. Ah, le petit bel là-bas. Ouais, c'est le petit qu'on va aller faire. Ah, je croyais que tu voulais faire l'autre base. Oh ouais. Ah bah après, on peut aller faire l'autre base s'il nous reste assez de balles, hein. Mais... Ouais. Là, il y a une plante là. Des fois, pour, pire... pour sortir de l'eau, c'est la galère des fois. Ouais, ouais. Au pire, moi, je peux te laisser les balles du gros. Je prends le petit, j'ai quasiment une trentaine de balles. Bah moi j'ai 9 balles là. Attends, faut que je recharge mon pompe d'ailleurs parce que j'en ai trouvé. Ah mince, j'ai utilisé un bandage comme un abruti. Je crois que j'ai fait la même. Je vais on va reprendre des bandages, on va reprendre deux. Enfin, tu me diras, j'ai une balle là, dans le... Mais t'as claqué toutes tes balles dans le vent? Non, j'en ai tué un. J'ai tué les 3 hunters. Hein. J'en ai tué un. 2 en one shot et un que j'ai achevé, mais avec une balle aussi dans la tête. Et je l'avais touché une fois déjà avant. Je suis plus doué avec l'autre. Ok, c'est bon. Si tu veux prendre. Attends, ouais, je vais reprendre un bandage. J'en ai pris 2 moi. Bon, de toute façon, je peux en prendre 2. Hein. Vu que c'est la dernière. Je prends mon petit pistolet. Et parti où? Là, là. Parti là. Tiens, loup, je te laisse te débrouiller. On n'a jamais réussi à tuer un loup, on me rend toujours plus. Je peux jamais compris pourquoi on n'a jamais tué sur nous. Ah, il est là-bas. Ah, ils sont 2. Hein. Je crois qu'ils nous ont déjà vu d'ailleurs. Non, 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 non. Un sneaky. Il est où l'autre? Je vois, mais je vois pas l'autre. Ah, je l'ai loupé. Bah, du coup, ils sont alertés hein, à cause du coup de feu. Je vois pas le deuxième. Derrière les plantes beiges là. Ah, derrière les gens. Viens là, pépère. Ah, je le touche pas, ce con. T'es dans... Ah, excuse. Je suis tombé. Viens mourir. Eh, oh, te sauve pas, s'il te plaît. Il est mort. Et moi, je suis mort. Il a bien servi le bandage. T'es mort tout? Attends, je te vois pas. Remonte remonte la rivière. Surtout, je vois pas le je vois pas le hunter donc. Le hunter il rentre. Il est au milieu de l'eau. Il est à côté de mon corps. Sans foire. Toi, je te vois pas par contre. J'ai plus de balles pour mon flingue. Mon flingue pour tirer de loin. Et je trouve pas le sac du hunter. Putain, il y aurait peut-être des munitions dedans, mais celui que j'ai tué. Bah, au pire, prends dans le mien. Mais je peux pas y aller. Mais si, il est pas là. Oui, mais j'ai la moitié de ma vie. Il est dans les joncs là. Moi, je trouve pas le sac de l'autre. Je m'en fous pour l'instant. Mais t'as fini, oui. Mais non, mais. Il faut y aller. Il faut régène, il faut. J'aimerais. Ah, il est là, c'est le sac dans les fougères. Ah, y a pas de munitions. Je suis obligé de rêver. Ok, j'ai rien. Oh, je suis pas loin! Ah, si, je suis pas loin. J'étais à côté de la base de Hunter. C'est là que. Il tape du bois, ce con.
Ouais, il a tout, il a tout. C'est quoi ce... Attends, ça c'est notre maison. Attends, je suis de l'autre côté de la rivière. Il est court. Mais bon, il est mort le deuxième. J'ai été en bourrin. C'est ce que je voulais faire, mais il m'a eu avant malgré le bandage. Je suis à côté. Ça, je vais t'aider à taper. Ok. Bah là, pour l'instant, je loupe un petit coffre qu'il y avait. Ah bah avec un bandage en plus. Et puis ouais, on va défoncer la maison, on récupère bien ton stuff. Hein. C'est ce que je vais faire. Ok. Et alors, leur porte. Je vais lancer ma grenade. Z pour récupérer. C'est parti. J'ai pas, oh, putain. J'ai pas regardé s'il y avait des mines, mais bon. Je pense qu'on s'en serait aperçu s'il y en avait. Ouais. C'est clair. Ah bah ça lui sent ça. Ah, la grenade fait du bien. Ah bah oui. Bah c'est con, j'ai loupé tous mes tirs, hein. Les 5 balles qui me restaient, j'ai loupé tous mes tirs dans la tête des deux là. Bah moi il me manque le point de visée quoi. Bah il y a le viseur hein, sur les armes, quand tu fais clic droit c'est pour l'attendre, hein. Mais c'est pas évident quand même. Bah, moi je trouve, c'est pas facile. Non, trop compliqué pour moi. La différence entre les deux bases, une base à 2 hunters, une base à 3 hunters, là, elle est dans les coffres, enfin dans le coffre. D'avoir des munitions. Alors ils stackent pas leurs ressources, parce que les balles de pompe, elles étaient une par une dans le... Oui, bah les miennes aussi. Générateur, il n'y a rien. Le poêle, il y a 10 biofuel. Et le coffre. Bah le coffre est plein aussi. Hein. Putain, je t'ai laissé tes balles. Il y a 4 battes le normal. Et à l'étage, ça va être comme d'hab, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ils font des étages, mais il n'y a rien aux étages. Je suis toujours l'inverse. Ok, moi je vais me craft. Je vais voir si je peux me craft des balles pour le. Ouais, vas-y. Je récupère tout ça, moi. Ah, est-ce que j'ai looté sur les deux J'ai un peu... Il y a un peu de matériel dans le coffre, non? Bah, il y avait tes balles, non? Ah non, bah, c'est ce que j'ai looté dans le sac tout à l'heure, là. Parce que j'ai des douilles et la poudre à canon. Alors est-ce qu'on se tente la dernière base? Soyons fous, de toute façon on n'arrête pas. Je vais repasser à la maison pour prendre des munitions et on traverse le lac. Ouais. Parce que là moi j'ai pris un partage aussi. Oh un Bambi. Fruits et légumes. Oh, moi ça ira pour finir. C'est logique, j'ai pas envie. Je bien. On n'aura pas vu l'alien tourner. Non. Du coup, moi, c'est... Voilà, c'est celle-là. Hop, j'en ai pris 5 de plus.
j'ai laissé un bandage, si tu veux en prendre un. Ouais, j'en ai deux, j'ai revu looté dans le coffre une grenade, donc j'ai toujours une grenade. Ouais. Et on peut y aller pour moi. Oh, de toute façon, je vais rien faire de plus, hein. Allez, c'est parti. Ça rend bien avancé aussi. Ça m'étonne pas. Ouais. Bah, on les a attaqués une fois. C'est le mec qui nous avait enfermé là. Ouais. Pas deux. Non, c'est ceux de droite qu'on a. C'est la troisième fois qu'on les a attaqués. Deuxième fois, ouais. Ceux de gauche. Et eux, je crois qu'on les a fait qu'une fois. Ouais, quand c'est... ouais, on s'est retrouvé enfermé. On était dans le noir. Ouais. Il y a un coffre devant nous. Ça se fait que tu nages plus vite que moi, toi. Je sais. Je perds la vie, moi. Ouais, je sais pas. Et je sais même pas si tu verras. Ah non, c'est. Non. C'est ton endu. Ouais. Bah, des fois, moi je nage et je perds de l'endu, tu vois, là je suis toujours à fond, je suis à 90. Ah non, pas moi. Il y a un hunter dehors derrière le gros caillou. Ouais. Il y en a un là. Loupé. Comme d'hab. Je comprends pas, j'ai le petit cibleur de mon arme sur sa tête et ça touche pas. Alors trop haut, trop bas, du coup j'en sais rien. Bah fais peut-être comme les animaux, pas au-dessus. Bah mais si je lève plus mon arme, je vois plus la cible que je vise. Ouais. Du coup. Alors par contre il a pas dû entendre. C'est parti où? Je suis à ta gauche. Alors surtout quand tu es en combat, essaye de pas passer devant moi, parce que tout à l'heure tu m'as gêné. J'ai même cru que je t'avais tiré dessus. C'est pas impossible, c'est pas grave. Il y en avait un vers le gros caillou là. Ah oui, bah non seulement tu te mets devant, mais après tu croises ma ligne de tir, donc... Isolé. C'est bien que je suis gaffe. Ah, il arrive. Ok. Et un deuxième. Troisième. Mort. Ah merde, c'est toi ça? Non, il est devant toi. Non. Je suis mort. Et tu vas... Attends, je suis là. J'ai un problème. Hein. Tu l'as tué, c'est bon? Bah, il est devant moi. Sur... là. Ça, et tu vas mourir, oui. Non, j'ai un problème. De... là, il est mort. Il est mort. Mets-toi un bandage parce que t'as plus, quasi plus de vie. Je sais pas où t'es... Si tu saignes, mais... 17 sur 90. Bon, c'est bon. Bon, ouais, je reviens. Je sais pas trop où je suis, mais. Ouais, bah, je les loot en attendant, au pire. Ouais, ouais, vas-y. Bah, les trois m'ont tiré dessus parce qu'en fait, celui-là qui était à côté de toi, il tirait sur moi. C'est lui qui m'a tué. Ouais. En fait, le souci que j'ai, c'est. Alors, j'ai tué les deux en un coup, les deux premiers. Mais le temps, tu sais, qu'ils viennent devant moi, qu'ils arrêtent de bouger, et le temps que je vise, ils ont le temps de me mettre 2-3 balles à chaque fois, donc. Là, je sais pas, j'ai pas compris. J'étais au pied du hunter. Il marque 0, lui. J'étais au pied du hunter, je tirais dessus. Oh la vache! En plus, on a été nuls parce que on est passé à la maison, on aurait pu au moins racheter un respawn. Je t'ai pris une photo de ce que le mec a sur lui. Non, c'est toi, okay. Ça, c'est pas possible. Ah, il y a mon cadavre aussi. Hein. Ouais, bah, je te le laisse ou je te le prends? Ah non, laisse-le. Bah, il y a les trois bases, hein, le contenu des trois bases. Hein. Foiré. Ben, je me suis fait toucher par un ours, ça fait mal. Ah, je suis hyper loin, par contre. Waouh. Wow. Ouais, bah. Ah, à moins que je sois du bon côté du lac, c'est possible. Mais si j'y suis pas du bon côté, je suis loin. De toute façon, je suis à côté de ton sac, au cas où. Au moins je commence à taper la base. Ouais, vas-y. De toute façon, j'ai ma marque de mort, hein, donc je le retrouverai facilement. Ouais. Dites-moi que je suis du bon côté. Du mal à me repérer, hein. Quand on n'est pas au lac. Bah, j'ai du mal. Repérer, ouais. J'ai du mal aussi. Oh, tu fais comment pour jeter la grenade pour le coup? Oh, ouais, tu feras gaffe, il y a des pièges. Ouais, tu feras gaffe pour la. Devant la maison, il y a une mine. Ok.
Ah ouais, je suis méga loin. Oh là 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 là, ma tête de mort, elle semble tellement loin. On en parle que j'ai pris des dégâts de la mine. Bah, il faut se reculer, hein. Mais je pouvais pas trop, il y a la mine derrière. Mais il faut décaler à ce moment-là. La grenade. Tu peux lancer de travers, hein. Tu peux lancer sur le côté, sur la porte, hein. En bête. Le problème, c'est la nuit va tomber. Ah, ils vont respawn ? Ouais. Je vais me faire buter d'office, moi. Si je rentre pas avant qu'ils respawn. Dépêche-toi. Vous saignez, oui, alors je saigne. J'ai plus de bandage. Moi, je suis foutu. Sur moi, je dois en avoir un. Bah voilà. Deux hunters sauvages. Oh non. J'ai trouvé un camp de sauvages. Ils sont deux. À poil. Enfin, torse poil. Je sais pas s'ils m'ont vu, mais je cours. Bon, bah le premier arrivé. T'es morte ? Bah ouais. J'ai pas le temps d'aller jusqu'à ton corps quand j'ai vu que c'est mort. Ah, je suis pas du tout du bon côté du lac, comme par hasard. Moi, je sais pas où je suis dans les bois. Je vais sur mon corps. Et puis, va faire froid, je vais mourir de froid. Ouais, on va crever de froid. Bah, moi, je vais rentrer à la maison en fait. Hein. Tant pis. Hein. Bah, quand j'aurai le respawn. Parce que j'ai 33 points de vie. Hein. Ce serait bien qu'on finisse à la maison, la série, quand même. Ok. Ah, j'ai un feu de camp là. Là, là je suis à la première base qu'on a attaquée, en fait, tu vois. Là, je t'avouerai. Ah, mais ils ont un feu chez chez eux. Eh oui, ouais. On pourra se réchauffer au feu. Je vais essayer d'y aller. Il y a même une viande de loup à cuire dedans. Il fait 5 degrés, là, je monte, passe dans l'eau. 6. Dans l'eau, il fait meilleur de toute façon la nuit, non? Oui. Oui, t'arrives à zéro, quasiment. Je croise pas de barre de vie. Je vois rien de ce que je fais. J'ai une vie là, je sais pas ce que c'est. On va. Non. Si fait, on termine l'épisode que le jour se lève, tu vas voir, on va se prendre les hunters qui auront respawn sur là où on Pourquoi est. Pourquoi ça tire? Et puis on aura des hunters qui sont en train d'attaquer notre base. Alors j'ai la base qui vient de se mettre. Va tirer dessus. Quasiment arrivé à mon corps, moi. Non, bah, pas moi. Non, t'as pris peut-être un tic de dégâts de froid, non? J'en prends, moi, là. Non. On m'a tiré dessus, j'avais des tirs. Et t'as looté le hunter? 5. Ouais, j'avais looté le hunter, justement. Les 3? Ouais, je pense. Regarde, revérifie au cas où, mais... Ouais, je vais mourir, moins 1. Je sais pas, je vais mourir. Je vais au feu de camp, moi. Avant d'être aussi cané. Ok, c'est bon, moi je suis sauvé. Enfin, sauvé. Pouvoir régène. Oh là là, où est-ce que je suis? Je vais jamais résister. Ok, mes armes sont rechargées, je pourrais tirer s'il y a un truc qui m'attaque. Oh là, la flotte! Ah mais c'est tout black. Oui d'accord, on ira si les éclairs ça va aider à avancer. Ah bah le hunter est là déjà, j'entends taper du bois. Je suis mort. On en parle que je vais me croiser un ours. Attends. Moi j'ai déjà les hunters, ils ont respawn. Hein. Ah bah voilà, je me fais tirer dessus. Non, bah je suis mort. Oh là là, ils sont deux. Tu m'emmerdes pas. Bon bah on va s'arrêter là, c'est pas la peine de continuer. Je suis dans le lac. Non mais ils ont respawn, t'as écouté ce que j'ai dit? Ouais, de moins 4, je descends moins. Ouais. C'est Alexia. Oui. Tu écoutes ce que je dis un peu? T'entends pas? Bah je t'ai dit qu'ils ont respawn déjà, je suis mort. Donc on va arrêter là, du coup. Non, je t'entendais pas. Hein. Bah, putain, pourtant. Tu m'as foutu un Alexia dans les oreilles, merci. Ah mais non, mais en fait, ils respawn instant dans leur base, en fait. Hein. Ouais. Et ils sont deux, enfin en tout cas j'entendais à la fois du pompe et du pistolet me tirer dessus donc ouais c'est ça, il y en a un là et un autre qui tape du bois parce que j'entends le bois taper. Ok, donc c'est bien ce que je disais dans l'épisode précédent, voilà le souci sur ce jeu,
Le système de Hunter, il est sympa. Mais les mecs respawnent le lendemain, ils sont full stuff, vous l'avez vu encore, ils ont des armes, ils sont équipés, ils ont des armures, fusils à pompe, gun. Et. Attends, j'arrive, je suis à la maison. Oh putain. Je vais respawn comme ça. Et non, puis. Non. Et c'est pas grave, c'est fini. Et. Oui, je peux venir avec toi pour la fin. Non, mais je suis mort, donc je suis pas à la maison. Donc c'est pas la peine. Moi, je suis mort aussi. Hein. Et donc si je peux finir, et du coup je trouve ça complètement nul en fait. Moi c'est vraiment mon avis là dessus, ce système ne vaut rien. L'idée est très bonne, mais qui respawn tout équipé et le lendemain du moment où on les tue, ça, et qui respawn en plus à leur base alors qu'ils n'ont pas de lit. S'il n'y a pas de lit dans leur base. Non, ouais. Non. Là c'est vraiment c'est, tout est illogique et tout est à l'opposé de ce que nous on est obligé de faire en fait. Donc voilà, du coup, bon jeu de survie, mais pour moi sans plus. Voilà. Je me suis plus amusé par exemple sur Hold Your Own que sur Subsistence. Alors que potentiellement il y a plus de choses à faire sur celui-là, avec moins d'exploration par contre, mais plus de choses, mais voilà. Le jeu m'a pas plus attiré que ça. Et puis du coup, on va s'arrêter là-dessus, on ne pourra pas se faire le petit final à se taper dessus avec Stalexion. Le temps de rentrer, je vais remourir de toute façon, donc ça sert à rien. Ah, moi aussi. Du coup, les loulous, quand même, j'espère que cet épisode et cette série vous aura plu. Je remercie tous les abonnés, alors je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier sinon, mais tous les abonnés qui nous ont donné plein de conseils tout au long de ces 27 épisodes, du coup, parce que ça nous aura bien aidé. Hein. Les mécaniques de jeu sont pas évidentes à appréhender au départ. Il y a plein de trucs qu'on ne comprenait pas dans les premiers épisodes, c'était pas évident. Et puis bah du coup on va se laisser là-dessus hein. Donc on repart avec Stalexia pour de nouvelles aventures sur un nouveau jeu dès la semaine suivante, mais je vous dis pas quel jeu, ce sera la surprise vu qu'on va faire les tournages bientôt. Et puis bah nous on vous dit à la prochaine donc pour nos nouvelles aventures. Ciao les loulous. Merci, à bientôt les loulous.